Jarry arrive là où on ne l'attendait pas. Après le Big Show, il va animer Tout le monde veut prendre sa place dès ce samedi 5 août. Comme il a carte blanche ou presque, l'humoriste va transformer la présentation du jeu pour être beaucoup plus proche du public. Si est-il événement télé de ce mois d'août, Jarry remplace Laurence Boccolini aux manettes du jeu Tout le monde veut prendre sa place sur France 2 dès ce samedi 5 août. Encore mieux, la première diffusion avec Jarry a lieu le jour de son 46e anniversaire. Plus qu'heureux, l'humoriste cesse de confier à Télé Loisirs. Il s'y dévoile sans phare et révèle non seulement la touche très personnelle qu'il veut apporter à Tout le monde veut prendre sa place au fil des semaines, mais aussi qu'il est mauvais joueur. Jarry, Tout le monde veut prendre sa place, Laurence Boccolini a eu l'élégance de me téléphoner. Qu'est-ce qui vous a décidé à présenter Tout le monde veut prendre sa place ? France 2 Maître a dit, c'est ça ou tu dégages. Il rit, plus sérieusement, quand la chaîne m'a proposé ce jeu, j'ai cru à une blague. Heureusement ce n'était pas une car une émission quotidienne à midi, ça ne se refuse pas. Comment a réagi Laurence Boccolini, que vous remplacez? Elle a eu l'élégance de me téléphoner pour me dire qu'elle était contente que ce soit moi qui ai été choisi et m'a conseillé de rester moi-même. Allez-vous transformer l'émission? Il faut que les téléspectateurs retrouvent ce qu'ils aiment dans ce jeu. Je vais juste apporter ma touche qui consiste à aimer véritablement les gens et à les mettre en lumière. Je vais m'amuser avec les candidats et le public. Jarry, Tout le monde veut prendre sa place, je suis le plus mauvais joueur qui existe. Aurez-vous le temps de continuer le Big Show? Si est-il une super réémission populaire qui m'a permis d'être proche des gens. C'était donc la première étape pour pouvoir animer un rendez-vous quotidien de jeu. J'espère bien pouvoir tourner d'autres Big Show, mais comme si est-il un programme qui demande plusieurs mois de travail, je ne sais pas si cela sera possible. Aimez-vous jouer? Je joue au Uno avec mes enfants car j'aime les jeux de cartes. J'apprécie aussi les escape games. En revanche, je suis le plus mauvais joueur qui existe.